C'est insupportable, c'est insupportable ces matchs, mais c'est comme ça que tu kiffes le basket en fait. C'est comme ça que tu marques. Attention, tu vas tomber. C'est comme ça que je marque, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je fais 4 fautes et que voilà, putain, mais voilà, c'est ça l'équipe aussi, parce que encore une fois, les gens ils vont retenir les 3 points, mais l'équipe elle a tenu au 3ème quart-temps, on est revenu, on n'a pas lâché. Moi j'étais pas sereine sur le banc, c'était horrible, mais bon, voilà, c'est. On est tombé face à une grosse équipe de Suède, ça j'espère que les gens ils vont pas l'oublier, ils vont pas fermer les yeux par rapport à ça. Je suis un alcool donc je vais pas dire trop. Oh, quel match. Quel match. Gaël dit, on a peut-être eu un peu de difficulté à attaquer la zone. Je dis, excusez-moi, si je puis me permettre, on a quand même marqué 87 points. C'est pas là que se situe vraiment la totalité de nos problèmes. Ça va vite, hein, faut vite réagir. Tu fais des choix, tu sais pas si ça va réussir, ça va marquer. Hein. Maître Gaël, deuxième mi-temps, on s'était pas sûr que ça fonctionne, c'est elle qui nous remet devant. Voilà, c'est. Ça se joue pas grand-chose, mais j'ai un grand nez. Ça m'aide. Vivement demain. Ouais, mais là ça s'accélère, là, donc ça va vite, il faut qu'on prépare, même si on connaît la Turquie, ça va aller vite. Autant là, les 3 jours, ça a été terrible à attendre, autant là, demain, ça va aller vite. Ça va? Ça va mieux, beaucoup mieux. C'était dur. Très dur. Très dur, très très dur. Mais bon, maintenant ça va, on va un peu souffler, pas longtemps, parce que demain c'est la Turquie, et voilà, ça va. C'est pour ça qu'on joue quand même. C'est pour ça qu'on joue, pour vivre ce genre d'émotion. Regarde ce qu'elle lui a fait. Puis ça, c'est des victoires qui portent à fin. Donc c'est super pour la suite. Je veux pas d'elle dans ma chambre, je vais pas pouvoir dormir. Non, c'est horrible. On va pas se coucher avant. Elle est insupportable. Elle est un peu hyperactive, donc elle a du mal à se calmer après les matchs comme ça. Ce qui peut se comprendre, voilà. Mais moi, à un moment donné, je vais vouloir dormir et elle dormira pas. Donc non, mais je vais la détendre, ça va. Je vais essayer de la calmer un peu, ça va le faire. Oh non, il y en a une qui pleure, on ne peut pas pleurer. C'est vrai ? Où ça ? Ça y est, troisième œil qui arrive. Ah, quel coude là. Oh, shit. Hey Mayem, tu penses que les bouts de mes cheveux seront congelés? Ouais. Ah, ça va tomber, grâce à Rocket. Crac, crac. 3, 2, 1. Non mais les gens. Alors les cheveux? Rasta Rocket. Ben. Non, ça va. Ça va, c'est pas froid, ça tient. Heureusement. On aurait dû les mouiller. Ouais, bon. Allez, on les a avec les cheveux demain. C'était à combien là? -130. On les a avec les cheveux. Et on est toujours vivantes.